On peut vous dire un mot avant le troisième couplet? Mais Madame Dupré, mais qu'est-ce que vous faites là? Apparemment, je dérange. Tu vois, Jeanne, nous sommes quand même reconnus. On ne s'est trompé ni d'immeuble, ni d'appartement. Dis donc, toi, il me semble que t'as encore grandi depuis que je ne t'ai vu. C'est pas une idée, ça. Oui, oui. Tu fais court, Jeanne, pour les politesses. Surtout, j'ai pas l'impression qu'elle s'impose. Non, c'est-à-dire, madame, en fait, on vous attendait pas du tout. Bon, Emmanuel, t'es bien gentil. Mais, sans être Sherlock Holmes, j'avais déjà deviné. Je suis profondément déçu, tu sais. Toi que j'ai vu naître, il y a 19 ans. Toi que j'ai vu grandir, que j'ai emmené au jardin d'hiver. Oh, deux fois. Oui, peu importe. Profitez de notre absence pour organiser une surprise partie dans notre appartement. Je suppose, enfin j'espère que ta mère n'est pas au courant. Bien sûr que non. Bon. Alors, nous arrivons de Bordeaux, nous sommes fatigués. Tu vas débarrasser le plancher et nous réglerons nos comptes un peu plus tard. Quant à tes amis, sois gentil de ne pas les oublier. Nous avons déjà un pouf marocain dans l'entrée. Plus, ça risquerait de faire un peu trop oriental. Marival, là, tu vas un peu fort quand même, ma chérie. Madame, nous être très désolés, beaucoup, hein. Mais nous pas être modestes personnes. Nous être gentils, mais pas savoir où va. On la branche où, la prise péritelle? Apparemment, elle fonctionne avec des codeurs, la petite. C'est pas toi, Jeanne, moi j'ai rien compris. Oh, est-ce que tu peux être mauvaise quand même? Cette petite est étrangère. J'espère pour elle. Ou alors il y a une grosse rééducation. Oh, regarde comme ils ont fait une jolie table. Oh, c'est charmant tout ça. Mais c'est peut-être même l'anniversaire de la petite, là. Elle est jolie, tu trouves pas, là? Bon, allez, ils vont rentrer chez eux et on n'en parle plus. Voilà. Je ne sais pas si c'est son anniversaire. Mais toi, si tu continues sur ce ton-là, ça va être ta fête. Merci, madame la gentille. Mais nous, pas rentrer chez nous, hein. Parce que chez nous, maintenant, ça va être ici. Jamais caché de mon pas à midi. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, la dyslexique? Chez nous, être ici. Non, mais calmez-vous, madame Dupré. Je vais vous expliquer. La police, puis appelle la police. Oui, c'est le 17. Non, dans 10 minutes, ils sont là, ce sera réglé. Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pas du tout ce que vous croyez. Ça peut pas être pire. Ou alors t'as pas loué, t'as vendu. Quoi? Mais non, enfin, vous posez vos sacs. Moi, je vais vous expliquer comment nous allons faire. Oh, la vie clochette est de retour. Attention, parce que derrière elle, il y a moi. Et de près, je ressemble plutôt à Cruella d'enfer. J'avais raison, depuis qu'il a ce travail, il tient très bien sa place. Ah. Ce garçon a vraiment envie d'apprendre. Oh, bah voyons, la serrurerie. Ah, dès qu'il sera bien au point, ça peut rapporter gros. Et rapidement encore. Marie-Vonne, il y a des moments, t'es vraiment fatigante, ma chérie. Merci, hein, madame Jeanne. Une bonne douce, ça fait du bien. Ah. C'est la fille du Bénoir. Non. Dites plutôt à Natacha de venir me voir. Hein. Parce que j'ai fait une bonne soupe de légumes, mais je sais pas pourquoi, j'en ai fait beaucoup trop. Il y en a largement pour 4 personnes. Hein. Très bien, je vais lui dire. Merci, hein. Vous au moins, vous êtes gentil. Bisous, madame Dupré. Merci beaucoup pour la douche. Bonsoir, madame Dupré. Vous voyez, c'est nous, on s'incruste. J'ai cru comprendre. C'était pas trop grave, votre malaise? Vous vous sentez comment, maintenant? Pourquoi, vous avez peur de rater l'enterrement? Ah, d'accord. Vous êtes encore sur le sentier de la guerre. T'as remarqué, j'aurais pu le deviner, ça se voit aux peintures. Je vais vous expliquer. Expliquez-moi. Non, j'ai rien à vous dire.
Ce serait encore trop. Petit con, va! J'ai une femme. Oh, la jolie table. Oh, un, deux, trois, quatre. Tu m'expliques? C'est une surprise. Ne me dis rien, ne me dis rien. Ne me dis rien, je vais deviner. Je vais deviner. Attends, attends, attends. Qui est rentré? Qui est rentré? Le... Il y a... Les Martineaux. Non. Les Martineaux? Non, non, les Martineaux sont à Cannes jusqu'à fin juillet. Ah bon, 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 pas les Martineaux. Christina est restée à Venise. Attends, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah bah, le général Duchâtel et Marie-Claire. Non? Dieu nous préserve, il est devenu sourd comme un pot. Ah, quelle horreur! Oh là, t'as sauvé la soirée. Bon, je donne ma langue au chat. Oh non, j'ai pas du chat! Non, j'ai faim, oh non, 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 cherche encore pour me faire plaisir, ma chérie. Écoute, là, une minute. Oui. Un jeune couple, oui. Très proche de nous. Ah, je vois pas du tout. Très, très près. Oui. Dans le même immeuble. Oh. Au même étage. Dans le même appartement. Arrête, ne me dis pas, ne me dis pas que tu as osé dans mon dos inviter Abdelkader à ma table. Doucement, doucement, doucement. Je sais que cette histoire, le certificat d'hébergement chez nous. Eh ben, alors, rappelons-nous nos accords. 15 jours, pas une heure de plus. Même avec les 15 jours que tu m'as estorqué de force. Si je compte bien. Et je comprends bien. La date fatidique tombe dans 3 jours. Alors un certificat d'hébergement pour 3 jours, dans les bureaux, ça va les faire rire. Si vous recommencez à être méchante, madame Marie-Yvonne, Natacha coupé doigt avec grosse pince. Elle le ferait. Oui, Marie-Yvonne Dupré, tu as beau être ma sœur. Oui. J'ai beau t'aimer énormément, hein. Oui. Mais je vais te dire que Ziva, t'es carrément relou. Et que si tu nous prends la tête, je vais te péter un coup de labou qui va t'exploser ta chevron à granit. Je suis prendre à ma l'aise, donne-moi mes cachets. Non, bah, tes cachets, ils sont derrière toi, là. T'as qu'à les prendre, je suis pas ta bonne. Et puis nous, on va être en retard à l'Alliance française. Allez, zou, Natacha, allez. Agite tes tongs. Agite tes tongs. 35 ans, professeur de lettres, pour en arriver à agite tes tongs. Oh, j'hallucine. Oh, à peine un mois, avec 2 primates mal dégrossis. Et la prof de lettres grimpe à l'arbre.